Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Zou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle série, le nouveau hack créé par un ami que je connais depuis très 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 longtemps, un de mes premiers abonnés, vers les 5 premiers abonnés, voilà. Je vous le présente plus, voilà, c'est le célèbre, c'est Aurel509. Alors ce nouveau hack créé entre 2014 et 2017, il a sorti il y a quelques semaines, hein, je sais plus trop. Là c'est bon, il est complet. Donc Pitch is missing. Pitch est absente, ça veut dire un truc du genre. Bah, attendez, j'ai vite fait commencer pour voir s'il n'y avait pas de bug. On va écraser cette donnée tout de suite. Et let's go. Donc je serai là durant la vidéo. Avec Timilou, le pro des niveaux Mario Maker, qui a été détrôné par le maître Circasio. Voilà. Donc, c'est parti, nouvelle un player. Timilou ne va pas jouer. Alors j'espère que tu sais lire, parce que Aurel, même s'il est anglais, il est français. Il a mis son hack en anglais parce que malheureusement sur ACM Central, il y a pratiquement que ça, des Américains et des Anglais, voilà. Donc je sais pas. Alors, mon anglais est très médiocre, donc je te laisse lire, tu vois. Parce que ce mec fait chinois, voilà. Alors, Peach did not come back for today. Donc alors, Peach n'est pas revenu depuis deux jours. Les Toad, blablabla, vive avec Mario, je pense. Tic, blablabla. Mario remercie. Et Bowser, je sais pas quoi. Bon. J'ai compris le quart du truc. Alors Yoshi House, Peach is missing en bas, y a-t-il maison de Yoshi. Alors, y a rien du tout. Oh, c'est bien fait les vies en haut, les pièces et tout. Ouais, c'est un patch qu'il a mis. C'est un patch pour remplacer les trucs de Mario World. Alors c'est parti, niveau 1, la forêt verte, c'est parti. Mais la forêt c'est noir. Avec une petite musique de Donkey Kong. Alors on peut voir les vies, les pièces et les pièces Yoshi. Il y en a 5 par niveau, ça tout le monde connaît. Alors c'est parti, on va essayer de pas failler. Parce que si on faille dès le premier niveau, on est mauvais. Hein. Entre nous, voilà. Ok. Petit secret caché. Bon, ça je le connaissais parce que j'avais fait un test. Dans tous les cas, le premier monde, il va pas être fait en découverte. Les 3 premiers niveaux du moins. Parce que j'avais testé sa démo et j'avais pu faire ce niveau. Je me rappelle encore. On va prendre ça. Ok, alors les Goombas ils se sont transformés en des Hellouf. Bon, ceux qui comprennent pas, c'est des porcs. C'est quoi ce Koopa jaune? Oui, ouais. J'ai des super Koopas de début. Mais non, mais ça, c'est des Koopas dans Mario World, hein, ils y sont. Ouais, je sais. Il y a des super Koopas de début. Koopa bleu, il y a Koopa bleu, jaune, rouge et vert. C'est une spécialité de Mario World, ça aussi. Ah non, c'est bon. Alors, le champ, tu dégages. Je suis désolé, je vais pas prendre toutes les pièces Yoshi. Si je les vois, je les prends, mais. En tout cas, c'est un niveau, il est un peu bordélique. Un bordélique, ça veut pas dire mal fait, mais. Il y a des chemins de partout en fait, regardez. Et je suis désolé Aurel, je vais pas prendre tes pièces Yoshi, hein, parce que j'ai un peu la flemme. Voilà. Mais qu'est-ce que je viens de foutre? T'es mort dès le premier niveau, hein. Je suis un noob. Comment j'ai pu faire ici là? De toute manière, ces pièces Yoshi, on va pas les récupérer. Il y a beaucoup trop de sprites, tu dis. Parce que, de toute manière, déjà que ici, si je fail là maintenant, alors dans les prochains niveaux, ça va être impossible pour les récupérer. C'est parti, on va essayer d'aller un peu plus vite. Dégage. Je suis pas habitué au hack comme ça, je suis plus habitué au hack linéaire. Là, c'est bordélique. Il y a des chemins de partout. Bon, j'espère que cette vidéo va faire quelques vues parce que ce soir, il y a le match PSG-OM. Moi, je suis pour l'OM, voilà. Ah, dégage-toi. Bah, je suis pour l'OM, moi aussi. Bref, c'est pas le sujet, mesdames et messieurs. Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? Vas-y, s'il vous plaît, un champignon, ça serait généreux de votre part. Il a pas déjà passé un champignon. Hop là, j'ai failli mourir. Arrête de parler comme ça. Je parle comme un Marseillais. Attends, il est radin en power-up, je pense. Ok, bon, premier niveau achevé, j'ai fait un fail, je suis très mauvais. Disliké. C'est pas grave. Alors, là, j'ai encore le goût de la banane de mon bonbon. Pourquoi je raconte ma vie? Je sais pas, mais franchement, je sais pas. Alors, le deuxième niveau avec sortie secrète des chats. Continue and save. Alors, la vallée verte, c'est parti. Ah, tout vert avec lui. Il aime bien le vert, mais il n'y a pas de problème. C'est ma préférée couleur. C'est pas le rouge? Mais non, moi, c'est le vert. Le rouge, c'est la couleur du sang de la Tunisie. Oh, oh, déjà, on voit une clé juste en haut. Ça va. Ok, mais je pensais avec ça, il nous faudrait un trampoline. Ouais, toi, tu veux pas sauter? Hop, meurs. Je te spin la face, moi. Tiens. Ok. Le petit dinosaure, on va le spinner, pas besoin de le sauter deux fois. Il y a un truc en haut ou pas? Je crois. Il y a pas un bloc caché? Mais non, il y a rien. C'est bizarre quand même. Ok, le trampoline, il est là.
Ok, on a déjà terminé le niveau, enfin la sortie secrète, après on va refaire un niveau. Hop, on va le placer là où il nous l'a dit de le mettre. Et voilà. Ok, en plus il y a une petite pièce. Ok, alors, il nous faut la clé, il faut la serrure bien sûr. Une clé sert à quoi? Ouvrir une serrure, voilà. Oh, c'est magique. Vous apprenez des choses avec mes vidéos, franchement. C'est éducatif. Oui, d'accord. Et allez, lui, il me saute dessus, allez, dégage. Il y a plein de gros mots, c'est bien. Mais non, moi je suis pas un mec qui dit beaucoup de gros mots, tu vois. Putain! Mais non, ça c'est juste quand je rage. Oui, bon, je rage beaucoup. Mais qu'est-ce que je suis con! Mais la serrure, elle était en haut! Je suis mauvais. Ce hack, Aurel m'a prévenu, il va être hardcore, mais là c'est pas dur du tout, c'est juste moi qui ai fait n'importe quoi. Faut que je me réhabitue à Mario World! Parce que j'ai joué à Mario Maker il y a pas longtemps. Laissez-moi me réhabituer vite fait, ne vous inquiétez pas, ça va. Eh, j'ai fini JDC Games Collab quand même, hein. Me prenez pas pour un petit noob. Oh, mais les tiens, qu'il aime bien ça, ouais. Il aime bien. Moi, j'aime bien les massacrer. Allez, dégage. Hop. Alors. Oula, ça, c'est des piquants. Je sais pas s'il nous tue par le côté. Ou juste, c'est la pointe qui fait mal. Le tien, qu'on le laisse tranquille, hein. Il nous a rien demandé, Miski. Alors, on prend la clé. C'est parti, on y va. Hop. On va essayer de pas perdre notre power-up parce que vu que je suis très mauvais. Si on perd notre power-up et qu'on est petit, on va se faire déchiqueter. Alors, tu dégages. Ouais, mais c'est que le premier niveau, tu vas voir si ça va pas être dur vers la fin. Dégage. Mais quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Mais attends, je suis chelou moi aussi. Pourquoi je fais ça? Eh, vas-y, je vais faire du montage déjà. Il nous a empêché de faire bugger le bloc, c'est pas gentil ça. Je suis mauvais, franchement, je suis mauvais, dégage toi. Comment j'ai pu failler comme ça? Bon allez, cette perte de vie inutile ça. Très bête. Dégage. Parce que si on perd des vies comme ça dès le début, ça va mal aller pour la suite. Je vous le dis. Mais je suis pas un mec qui abandonne. Et ce hack, je vous le dis, on va le finir. En tout cas, j'espère que vous allez l'aimer, hein, cette série. Il est très pourri. Je te fail à chaque seconde. Et viens, toi. Viens. Mais pourquoi? T'es mort au monde 1. Je suis mort au premier niveau, je suis mort au deuxième niveau plusieurs fois. Ça commence très très bien, cette série. Hein. Dislikez si vous aimez. L'autre, il me poursuit au calme. Hein. Allez. Que t'as perdu ton power-up. Fais très attention. Ok, bon. Là. Partie secrète. Oh non. Bon, y a pas de soucis. Bravo. Et bien joué. Allez, applaudissez tous. Ça t'emmène où? À la maison hantée. Sauf que moi, là, vous voyez, j'ai un peu peur. Dordor, ça veut dire quoi? À porte-porte. Porte-porte. Ah, c'est du porte-à-porte. Et oui, d'accord. On va d'abord finir ce niveau. Hein. Oh. Et là, cette fois-ci, on commence avec un beau champignon, ça fait plaisir, vous voyez. Et ce qui va nous permettre d'avoir quoi? Une fleur, et oui. En plus, ah, même les power-up, ils ont été échangés, patché. Mais c'est bien ça. Tu dégages, toi. Un bon hack. C'est Aurel, il a de très très bonnes compétences de hacking. C'est pas un dur à hacking, ça va rien dire. C'est grâce à lui que tu connais plein de choses dans tes hacks. J'avoue, si vous voulez un professeur de hack. Contactez Aurel direct sur Skype, voilà. Même s'il est plus trop sur Skype, il est sur Discord. Bref, pourquoi je raconte sa vie? Oh, une plume, il est gentil. Dès le début, il nous met une plume. Ah, mais t'aurais pu passer par là. D'accord, on a un petit truc. Une pièce Yoshi. Je sais pas qu'est-ce que je fais là. Dégage-toi. Oh, calme. Dégage-toi. Avec la cape, on va pouvoir tuer ces chugs qui m'ont fait ch'toute. Oh, allez, dégage, y'a quoi maintenant? C'est le speedrun. Dégage, toi. Voilà, avec la plume, ça va être beaucoup plus simple de tuer les chunks parce qu'avec un coup de cap, on les bute. Ah, il veut nous laisser faire un 50, t'es sûr? Tu mets au défi? Ok, mais j'ai rien eu. What? Normalement, quand j'ai rien, ça me met une pièce. Eh, dis-moi dans les commentaires si c'est toi qui as enlevé quand on a les points ou pas, je sais pas.
Parce que d'ailleurs, il y a aucun. Vu que tu as enlevé la barre en haut, il n'y a plus les points étoiles. Est-ce que tu les as enlevés? Réponds-moi en commentaire, ça sera gentil. Alors, Crystal Cave. La cave de cristal. Ouais. Une référence à Yoshi. Ah, d'abord. À Yoshi. On va faire porte à porte. C'est parti. Ça va être un donjon où il y a des portes partout. Déjà, il y a une belle musique. Attention, il te tue les Yoshi bizarres. C'est les Yoshi bizarres. C'est des fantômes. Oh, dégage. Alors là, on a un P. On a une fleur. On va garder la plume, c'est mieux. Il y a un trou qui bouge. Ouais, c'est comme dans Mario World, quoi. Et merde. Que se passe-t-il? Il y a une porte là-bas. Attention à ça, ok. On a perdu notre cap, c'est pas bon. Hop, on va faire ça. Putain, mais dégagez-vous. Et merde. À cause de ces fantômes-là. Allez hop. Laisse-toi. Mais ils m'énervent ces fantômes. Mais voilà, t'es petit. Je suis petit, voilà. Big Boo. Mais qu'est-ce que fout un Big Boo ici, là, en plein milieu? Allez, viens, 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 viens. Merci, allez, au revoir. Est-ce qu'il y aurait un champignon, ça serait gentil? Non. Déjà, je perds beaucoup de power-up, hein. Je suis mauvais, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Ok, un autre P. Toi, tu dégages déjà. Ça sera gentil. T'as pas de dégager? Mais je sais pas, j'ai l'impression que d'accord. Tous les sprites, ils sont automatiques. Ouais, ils sont invisibles, c'est normal. C'est avec la maison hantée que c'est comme ça. Attends, même dans Mario Maker, Mario World est normal, c'est tout ça? Ouais, c'est automatique. Les champignons, tous sont invisibles. On va essayer de pas perdre ces champignons parce que sinon on va crever, je le sens. Mais voilà. Est-ce que je suis fort? Non, pas du tout. Je dirais pas le mec qui a fini JDC collab. Et je joue plus comme avant, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, je jouais mieux. À cause de Mario Maker. Mais non, mais je suis mauvais. Ah, mais non, ouais, trop tard. Je voulais aller me power up. Sauf que c'est trop tard. Bon, allez, let's go. En plus, ça nous empêche tout le temps de faire bugger les blocs de power up. Avec la carapace, on peut pas les doubler. Y avoir deux power up ensuite. Ah, dégage là, le truc debout. Et comment il t'en empêche? Tu pourrais pas comprendre, toi. Il met les sprites en bas. Alors, toi, dégage. En gros, avec une carapace, on peut faire doubler les blocs. Ça, sauf qu'il faut qu'ils soient libres. Faut pas qu'ils soient collés à d'autres blocs. Moi. Et je pense que ça va partir en montage sur ce hack. Faudra que je coupe toutes les scènes où je meurs. Ouais, pour pas te faire la honte. Mais non, pour que ça soit plus. Pour pas qu'ils me voient tout recommencer à chaque fois. SVP! Je vais pas faire game over maintenant, c'est pas possible. Pas dès le premier niveau. Peut-être au premier monde. Qu'est-ce que j'ai au premier niveau? Ah, tu sais quoi? Hop. Deuxième niveau, c'est mieux pour se power up. Imagine, je meurs là. Hop là, on va se prendre une petite fleur. Tu vois, là aussi on aurait pu faire bugger, sauf que c'est un peu trop dur parce qu'il n'y a pas de sol ici. C'est parti pour la maison hantée. Oh là là. Il va falloir que je m'habitue, il n'y a pas de panique, t'inquiète. T'inquiète, toi-même tu connais. Va doucement. Il faut juste que je m'habitue. Doucement. La deuxième fleur. Comme tu me l'as dit, va doucement, tu t'habitues. Allez, doucement mais sûrement. Voilà. Par contre, ce bruit, il va falloir qu'il dégage, sinon il m'empêche de. Mais il faut aller doucement. Et voilà. Bon, maintenant ici, il faut aller vite. Et voilà. Il faut aller vite pour récupérer les pièces. Ok, on a perdu notre. Oh, mais non. Mais c'est pas possible. Je me fais toucher partout. Tous les sprites, je me fais toucher. Il est le pain. Il est là. I hate you. I hate you, Auré. Pourquoi tu rentres pas dans les trucs? On va d'abord.
On va d'abord kill ce Koopa. Ouais, mais. Vas-y, attends, on y va. Il y a des. Dans la porte. Faut aller dans celle-là. C'est cette porte-là, la bonne, je pense. Attends, ne me dis pas qu'on recommence le niveau là. Mais non, faut trouver la bonne porte, ça veut dire. C'est un clochard, Aurel. Dégage-toi. Faut prendre la bonne porte. Non, c'est pas à partir d'ici, c'est à partir de là-bas qu'il faut prendre la bonne. Ouais, ok, d'accord. Je vais devoir recommencer le monde tout le temps. Ouais. Ce sadique. Aurel, en fait, je t'aime plus. C'est pas possible qu'il a fait ça. Il a pas pu être aussi méchant là. Mais allez, je suis nul. Et j'ai honte de comment je joue. J'ai honte. Je fais trop de fail. Si je commence comme ça, ça va mal partir, ça va mal se barrer. Bon allez, les fantômes, vous me faites plus peur là. Vous me faites plus peur du tout. Allez, passe-moi ça. Petite fleur. Il faut l'attendre, mais il me casse la tête. Mais dégage. Allez, vite. Yes, c'est bon. Sans perdre de poreux pour une fois. Vas-y, passe-toi. Oui, parfait. Allez, cette fois-ci, on est bien parti là. Et viens-toi. Il va falloir trouver la bonne porte par contre. C'est ça le plus dur. J'ai un pressentiment. Pas celle bon. Allez, et il casse la tête. Je pense pas que c'est celle-là. Celle-là. Mais... Laquelle ça pourrait être? Non, c'est celle dans les caisses. Non, c'est pas celle-là. Celle avec les pièces. Clic, clic. Ce sera celle bon bas. Ouais, je pense que c'est celle avec les pièces. Oui, regardez par des. Allez, dégagez-vous s'il vous plaît. Vas-y, je suis pas. Allez, c'est la bonne. C'est la bonne. Oui, bien joué, voilà. Chibilou. Bien joué, Chibilou. Attendez, on va prendre le 1. Ouais, non, il n'y a pas de point. C'est pas grave, on a pas de choses. Et c'est fini. Bon, j'avais un bon pressentiment. Ok, ça fait déjà presque 20 minutes de tournage. Ouais, ça passe vite. Ah, qui est vraiment bien, dis donc. World. T'as arrêté au château ? Cristal. Non, je vais pas m'arrêter au château, je vais faire. Ah ouais, je vais faire ce niveau, je vais juste faire la sortie secrète, plus le P-Switch, parce qu'il n'y a que ça qu'il pourrait y avoir. Et après, on arrête l'épisode. C'est parti pour la cave cristal. Il y a des sweepies, tout, je sais pas quoi. J'ai oublié leur nom. Ça, c'est les ninjas, ça s'appelle. Non, ils ont un nom de crazy. Non, ça s'appelle des ninjas. Déjà, on voit la serrure ici. Où je vais ? Ah, ok. Ok. Tu fouilles de fond en fond, ouais. Mais où est la serrure? La clé. La serrure, elle est juste devant moi, bouffon. C'est bien. Je t'insulte tout seul. Alors, on ne sait pas parler anglais. Alors, attention. Ce stalactite peut te tuer. Mais Urte. Peut te tuer. C'est qui le tuer? Urte, ça veut dire quoi? Peut te faire mal? Ouais, je sais pas. Peut te transpercer, mais ça peut te tuer, quoi. En fait, pourquoi il dit ça? Je comprends pas. Fais attention, il va tomber, je crois. Ouais, lui il saute, qu'est-ce qu'il veut? Tuer. Bon, allez, bien sûr, je me fais toucher partout. Bien sûr. Dégage-toi. Saute. Vas-y, viens. Olé. Oh la clé. Oh le champi. Mais c'est la caverne d'Ali Baba ici. Mais qu'est-ce que je me fais toucher partout, je suis nul. Vous inquiétez pas. Deuxième épisode, je vais mieux jouer que ça. Entraîne-toi. Dégage-toi. Regardez, rien que là, j'ai peur de me faire toucher. Je suis mauvais comme je ne sais quoi. Allez hop. Là, c'est erreur et on va voir le P-Switch parce que je suis sûr que c'est un P-Switch. Sûr et certain, d'accord? Et voilà. Yellow Switch Palace. On va le débloquer pour l'épisode prochain qui arrivera très bientôt le mardi. Ou le lundi, je sais plus. Alors, non, c'est des P-Switch où il faut. Déjà, ça, c'est quoi? C'est un reset? Attention, oui, c'est un reset. Ok. Faut faire quoi là? Il faut lui donner ça? Qu'il la jette? Faut qu'il la jette là-bas, mince. Il va se faire tomber, mec. Non, ok, reset. Il va falloir le mettre dans l'autre sens pour qu'il débloque, pour qu'il
Il active le bloc sur la droite. Regardez. Pas encore. Faut lui donner. Voilà. Elle active. Mais non, je l'ai tué. Le pauvre. Je sais pas si c'est la bonne. Je te donne un cadeau. Tiens, tu le manges. Voilà, parfait. Qu'est-ce que ça débloque? Un P gris. À quoi il sert le P gris? D'accord. Un P gris, déjà, ça sert à transformer les sprites en pièces grises. Et aussi ça, surtout ça. D'accord. Fallait prendre le P. Donc je suis allé sans le P comme un con. Hop là, ok. Maintenant, on active ça. Quoi? Ok, là, il va falloir se dépasser. Non. Ok, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir désactiver, on va pouvoir activer les blocs. Mais ils sont bizarres, ces blocs. Oh merde! C'est pas grave, ça se passe. Putain. Allez, on va falloir prendre toutes les pièces. Au moins, on sait. Hop. Ouais, d'où tu te mets sur les blocs, toi? Allez, on prend toutes les pièces. Hop, on prend tout. Ok, good. On a tout pris. Là, c'est bien, on y va. Ok, c'est bon. Donc là, on a une porte et ça, c'est pas un reset. On va juste faire ça. Comme... Pourquoi il y a des pièces bleues? Qu'est-ce qui se passe? On s'en fout. Prends les points. Je sais pas à quoi ça sert. On va rentrer dans cette porte. J'espère que c'est pas un reset. Hein. Eh non, c'est bon, on a fini. D'accord. Mais c'est bon. On active le P-Switch. Et c'est bon. Le pouvoir du Switch va remplacer les blocs comme ça en des blocs remplis. Votre régression va être sauvegardée. D'accord. Et voilà. Hop. Les blocs se répandent dans le monde. D'ailleurs, qu'on va découvrir ensemble. On va voir si c'est un bon... Overworld, alors on y va. Là déjà on est dans la plaine. En bas on peut voir une star, une étoile. C'est un téléporteur dans Mario World. Ici on peut voir une forêt. D'accord. Ici on peut voir une plage. Là aussi une plage. Ou alors je sais pas si c'est une plage, je pense que c'est un désert. Une montagne. Ok. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça comme Overworld. On va rentrer dans des tuyaux juste en dessous du château et on va aller dans d'autres overworld. Ça pourrait être je ne sais quoi, hein. Monde de la glace ou n'importe, peu importe, monde du ciel. On va découvrir ça tous ensemble dans ce let's play. Je vous donne rendez-vous et ben la semaine prochaine, parce que maintenant il y a 2 épisodes par semaine, on va aller beaucoup plus vite. Rendez-vous mardi, ciao tout le monde, c'était Man, bye, ciao.